Le Morning Buzz de ce 9 janvier continue, première édition de l'année 2017. Tous les animateurs de Buzz Radio reprennent petit à petit le travail après deux petites semaines de vacances bien méritées. Et puis on a même du nouveau contenu à vous proposer à partir de ce lundi. Vers 8h15, on aura une nouvelle chronique proposée par David du Carrefour des Réussites, le moment d'inspiration. Bonjour David. Bonjour Bernard. Bienvenue dans l'équipe Buzz Radio, on est content de t'accueillir avec nous. Le moment d'inspiration, c'est quoi ? Alors, le moment d'inspiration, c'est ce que l'on peut vivre tous les jours en rencontrant une personne, en lisant un bouquin ou en voyant une image. Et ces moments, en fait, nous inspirent quelque chose. Ça peut être une grande chose, une petite chose. En tous les cas, ça nous donne envie d'avancer et ça nous donne vraiment cette inspiration. Alors, je ne sais pas moi, tu vas nous proposer plusieurs chroniques dans les prochaines semaines. Tu aurais déjà des petits sujets à nous détailler pour un peu mieux expliquer le concept de ta chronique. Alors oui, par exemple, on va parler du mythe de la gestion du temps. Donc au final, est-ce qu'on sait vraiment gérer son temps? Vous découvrirez cela au travers d'une des chroniques. On parlera également des gratitudes quotidiennes et donc pourquoi, en fin de compte, avoir de la gratitude tous les jours pour ce que la vie nous offre. Mmh. Voilà le genre de chronique que je vais vous partager. Très bien. Alors, tu as déjà un support produit par toi-même, donc un site internet où tu fais un peu découvrir quel est ton travail. Il y a des liens qu'on peut déjà consulter pour justement voir ce que tu fais déjà à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, il y a le site justement carrefourdesreussites.com que vous pouvez retrouver, sur lequel je rassemble ce que j'appelle des moments d'inspiration, des interviews, des articles, des rencontres avec des personnes inspirantes. Et il y a le site businessbienveillant.com qui est mon site professionnel de coaching business. Voilà, donc de bons petits conseils avec la positive attitude pour mieux organiser sa vie, son travail. Alors, on parle de moments d'inspiration. Quel a été le tien de moment d'inspiration, justement, quelle a été l'inspiration qui t'a poussé à te lancer dans cette voie? Je dirais le grand moment d'inspiration, ça a été une rencontre avec mon maître de stage en 2008. Ça a vraiment été pour moi un tournant dans ma vie. Je remercie d'ailleurs ce maître de stage qui s'appelle toujours Christophe d'ailleurs. Mmh. Ce moment a vraiment impacté ma vie parce que c'est à ce moment-là que j'ai décidé notamment d'entreprendre et de créer mon entreprise. Et donc voilà, si je ne l'avais pas rencontré, je pense que ma vie aurait été autrement. Peut-être que j'en serais au même niveau aujourd'hui, mais voilà, sans certitude. Et voilà, avec ta petite chronique, tu vas peut-être essayer de donner l'étincelle aussi aux auditeurs de Buzz Radio. En tous les cas, je prendrai un énorme plaisir à le partager et puis se passera ce qui se passera dans la vie des auditeurs. Merci David, on l'a compris. Nouveau rendez-vous maintenant à mettre dans votre petit agenda vers 8h15 le lundi. Il y aura le moment d'inspiration partagé par David. On te retrouve donc la semaine prochaine avec le premier sujet. Avec grand plaisir. On te souhaite une excellente journée. À vous aussi. Voilà, la musique revient sur Buzz Radio dans le Morning Buzz.